sur le R&B. On l'a connu par rapport à ses covers YouTube. On m'entend pas, on m'entend pas. En tout cas, on l'entend bien ici. C'est pas grave, je le sais avec celui-là, c'est pas un petit peu. Alors qu'est-ce que je disais? Il a fait des covers YouTube, il a participé à la Nouvelle Star. Il a fait la première partie du groupe Grand Théâtre d'Orléans. Tout cette chose. Exactement, et là il prépare son EP en ce moment. Très bien. Voilà. Il a la classe. Il a mis. Il s'est mis en mode fête. Où est-ce qu'il est? Il est là, tu vois. Il est pas loin, il est pas loin. Dès qu'on va dire son nom, il va apparaître. Ok, il va nous chanter une chanson d'Adèle qui s'appelle Hide in my heart. Fais du bruit pour Mister ANYS. Exactement, autant de fois que vous avez vibré. On y va, c'est parti, Monia, tu vas en compter, ouais. J'en
profite pour vous faire un petit rappel sur le sens de nos 100 profanes. Pourquoi on est là et on est réunis ensemble autour de ce nom, de ce bel oiseau qui en langue akan du Ghana veut dire sans retour, co-va, ramène dans l'idée de transmission, de connaître son histoire, d'aller de l'avant et ensuite de ramener aux générations futures. Il y a cette notion de transmission qui est très très importante et aussi l'image de sa culture. Ok, pour le premier artiste ce soir, le jury, 26 voix s'il vous plaît pour Mister ANYS, 26, ça commence doucement, mais sûrement.